Toujours il me dit, oh, le Seigneur.
De la deuxième lettre aux Corinthiens. Nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Car nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, se détruit, nous avons un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas faite de main d'homme. Et nous gémissons dans le désir ardent de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste, pourvu que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. C'est un fait, nous ne voulons pas nous dévêtir
mais revêtir un vêtement sur l'autre, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cet avenir, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Ainsi donc, nous sommes toujours pleins de confiance, tout en sachant que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes hors de notre demeure, loin du Seigneur, car nous cheminons par la foi, non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance, et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, notre ambition, que nous conservions notre demeure ou que nous la quittions, est-elle de lui plaire? Car il nous faudra tous comparaître à découvert devant le tribunal du Christ, afin que chacun recueille le prix de ce qu'il aura fait durant sa vie corporelle, soit en bien, soit en mal. Lettre de Saint Brolion de Saragosse. Le Christ, espérance de tous les croyants, appelle ceux qui quittent ce monde, non pas des morts, mais des dormants, lorsqu'il dit « Lazare, notre ami, s'est endormi ».
L'apôtre Paul ne veut pas que nous soyons attristés au sujet de ceux qui se sont endormis. Par là, si notre foi tient que tous ceux qui croient au Christ, selon sa parole dans l'Évangile, ne mourront jamais, nous savons que lui n'est pas mort et que nous-mêmes ne mourrons pas. C'est parce que le signal donné par la voix de l'archange et à l'appel de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts en lui ressusciteront. Que l'espérance de la résurrection nous encourage donc, puisque nous reverrons alors ceux que nous avons perdus. Il importe que nous croyions fermement en lui, c'est-à-dire que nous obéissions à ses préceptes, car il met sa puissance suprême à relever les morts plus facilement que nous n'éveillons ceux qui sont endormis. Voilà ce que nous disons, et pourtant je ne sais par quel sentiment nous nous réfugions dans les larmes, et le sentiment du regret entame la foi de notre âme. Hélas, que la condition de l'homme est pitoyable, et combien sans le Christ notre vie est vaine. Ô mort, toi qui as la cruauté de briser l'union des époux et de séparer ceux qu'unit l'amitié, dès maintenant ta force est écrasée. Dès maintenant il est broyé, ton joug impitoyable, par celui qui te menaçait avec les rugissements du prophète Osée. Ô mort, je serai ta mort. Aussi avec l'apôtre nous jetons ce défi. Ô mort, où est ta victoire? Où est-il, ô mort, ton dard venimeux? Celui qui t'a vaincu nous a rachetés. Il a livré son âme bien-aimée aux mains des impies, afin de faire d'eux ses bien-aimés. Il serait trop long de rappeler tout ce qui, dans les saintes Écritures, devrait nous apporter à tous de la consolation, qu'il nous suffise d'espérer en la résurrection et d'élever nos regards vers la gloire de notre Rédempteur, car c'est en lui que nous sommes déjà ressuscités, comme notre foi nous le fait penser selon le mot de l'apôtre. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à lui qui nous a rachetés, lui dont la volonté doit toujours régler notre volonté. C'est pourquoi nous disons dans la prière « Que ta volonté soit faite ». Il est donc nécessaire que nous disions avec Job, lorsque le deuil frappe, le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé, que le nom du Seigneur soit béni. Disons-le ici-bas avec Job, pour que là-haut, sur ce problème qui nous occupe, on ne nous trouve pas différents de lui.
La première lettre aux Thessaloniciens. Jésus
nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Grâce à la
Avec ton Fils, et nous sommes ressuscités avec lui. Fais-nous marcher dans une vie nouvelle, pour qu'au-delà de la mort, nous vivions toujours avec le Christ. Descend du ciel, fais que nous y trouvions la vie et la résurrection au dernier jour. Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie. À l'heure de notre mort, soutiens notre espérance. Tu as arraché les trois enfants aux flammes de la fournaise, délivre du poids de leurs péchés, dont Jean Proulx, le père Rogatien Laure, le père Jean-Joseph, les frères Barthélemy et Antoine-Marie, dont Marcel Burla, et le frère Lionel, les chanoines de la Confédération, décédés au cours de l'année, et tous nos défunts. Et des morts, toi qui as ressuscité Jésus, ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui. Tu as envoyé l'Esprit de sainteté sur les apôtres en prière avec Notre-Dame du Cénacle. Comble des dons de ce même Esprit le frère dont nous avons la charge spirituelle, Sœur Geneviève, nos petites sœurs, nos frères et sœurs malades ou absents, et tous les membres de notre famille spirituelle. Thank you.
Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie.
Conduis nos âmes à ta passion et à ta gloire.